Donc voilà, déjà félicitations aux ingénieurs fraîchement presque fraîchement diplômés. Ouais, c'est fait, ok. C'est marrant parce que justement la semaine passée je faisais aussi un discours, mais cette fois dans la classe de mon fils qui est en 5e primaire. Je vous rassure, j'ai pas repris le même discours tel quel, je l'ai un peu simplifié. Je voulais aussi féliciter Laïe Louvain d'avoir fait preuve de courage, non seulement en m'invitant, ce qui est déjà assez courageux, mais surtout en mettant au centre de ses interventions et de leurs conférences des termes comme le sens, comme le bonheur, comme la joie au travail, au-delà de ceux sur lesquels on insistait surtout dans les discours que moi j'avais à l'époque, à votre âge, en ingénieur. Mais des termes non qui étaient à l'époque plutôt le sacrifice, le sérieux, la compétitivité, l'excellence. Donc merci vraiment, Laïe Louvain, pour cet élan de vent frais. Donc je ne suis pas en tout cas venu ici vous donner des conseils et encore moins vous donner des leçons. Faire un doctorat en sciences appliquées pour finir artiste, je pense que ça doit être dans le top 3 des cauchemars de tous les parents ici présents. Donc non, je n'ai aucun intérêt à vous vendre quelque idée que ce soit. Donc, chers parents, si vos enfants veulent vraiment devenir artistes ou changer de cap après-demain, ne venez pas me chercher, c'était vraiment pas mon intention. Mais si je ne vais pas vous donner de conseils, c'est surtout parce que lorsque je regarde autour de moi les différentes générations, les plus vieux et les plus jeunes, comme je disais, j'ai deux enfants, je me rends compte qu'en fait, les plus vieux, nous n'avons rien à vous apprendre et qu'au contraire, on ferait bien en fait de plus vous écouter. Quand je vois les valeurs de consommation, d'égocentrisme, d'accumulation, de compétition et de toujours plus de croissance, qui ont été les valeurs pour lesquelles les deux générations précédentes ont bâti le système dans lequel on surnage pour l'instant. Et quand je vois les élans de solidarité, de conscience collective, d'empathie, de collaboration et de quête de sens qui brillent au fond de vos yeux, au fond des jeunes d'aujourd'hui, je me dis qu'on a encore tout à apprendre de vous, que vous êtes celles et ceux qui peuvent inverser la tendance vers une société plus juste et plus heureuse, et que vous avez déjà tout en vous. Je vais par contre commencer par une statistique que je vais poser là exprès pour vous faire un peu peur. C'est une statistique tellement incroyable que j'ai dû moi-même la fact-checker, la vérifier pour les parents, quand je l'ai lue pour la première fois, que l'on entend très rarement, si pas jamais, et qui est, je pense, le canari dans la mine de ce qui devrait nous indiquer que quelque chose va très mal aujourd'hui. Cette statistique, elle nous dit que depuis 5 ans, la Belgique dépense plus de budget national en malades de longue durée, donc essentiellement en dépression et en burn-out, qu'en charges liées au chômage. Donc vous avez bien entendu, contrairement à ce que l'on nous martèle chaque jour à propos du chômage, ça veut dire qu'en sortant d'ici, vous avez en fait plus de risques de tomber malade en dépression à cause de votre job que de ne pas trouver de job. Et cette situation s'aggrave un peu chaque année depuis 5 ans. Ce n'est pas quelque chose d'épisodique ou de ponctuel. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Je me suis un peu penché sur les raisons de cela. Et en fait, ce résultat n'est tout compte fait pas si étonnant que ça. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques en neurosciences et en psychologie du bonheur sont unanimes. Placer des termes anxiogènes comme le sérieux, comme l'excellence, comme la compétitivité ou le sacrifice au centre de votre vie, sans en placer d'autres essentiels comme la joie, comme la collaboration, comme le sens, c'est prouvé, ce n'est pas moi qui le dis, ça ne peut que mener à la tristesse, à la fatigue et au final, à la maladie, au burn-out. Donc voilà, je ne viens pas vous parler ici, ni en tant qu'artiste, ni en tant qu'ingénieur, mais en tant que chercheur, sauf que maintenant je suis un chercheur un peu plus particulier qui, depuis 15 ans, s'attaque de façon assidue et persévérante à la recherche de son bonheur, de façon très pragmatique. Certains vous feront miroiter des contrats avec des grosses voitures et vous diront que c'est ça la marque de la réussite. Moi, je n'ai comme gage que la preuve de mon propre bonheur, lorsque je me lève chaque matin pour faire mon travail, que je reste absorbé pendant des heures sans sentir le temps passer, à essayer de capturer et matérialiser des instants de beauté éphémère. Et quand je vois le bonheur de mes enfants aussi, avec qui je passe de longues après-midi. Je ne peux donc que vous partager mon expérience, et mon expérience, c'est que pour espérer me rapprocher du bonheur, j'ai dû tout d'abord me rendre compte que le bonheur, ça se travaille. Le bonheur, il ne nous tombe pas du ciel en regardant notre vie s'écouler sur des rails construits par d'autres, des rails qui vont on ne sait où, plutôt que de mettre en pratique nos propres envies. Mais pour ça, d'abord, il faut connaître, ne serait-ce que vaguement, la destination, ils vont où mes rails? Au début, je ne savais pas trop où je voulais qu'ils aillent. La mauvaise nouvelle, c'est que trouver son bonheur, ça prend toute une vie.
La bonne nouvelle, c'est que lorsque l'on sait que ça prend toute une vie, on peut se donner le temps. Pour autant que l'on soit sur un chemin d'authenticité qui nous parle, il n'y a pas vraiment de mauvais choix et de toute façon, rien n'est définitif. En tout cas, mon chemin, il a commencé par cette condition indispensable, je pense, d'écouter mes propres envies, d'écouter ma voix intérieure. Cette voix intérieure, ça n'a rien de mystique, c'est juste ma propre voix, votre propre voix, vous l'avez tous, c'est une voix authentique, qui n'a de compte à rendre à personne. C'est une voix du cœur, celle qui vous prend aux tripes. Elle est super dure à entendre parce qu'on a entassé d'autres voix, plein d'autres voix, depuis qu'on est tout jeune. La voix des parents, la voix des profs, la voix des pubs, et j'en passe. Lorsque vous regardez des enfants, vous vous rendez compte qu'ils n'ont qu'une seule voix, que cette juste voix-là. Et que c'est pour ça, justement, qu'ils savent exactement à chaque instant ce qui les rend heureux. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu super dur d'écouter cette voix sans se dire que c'est du n'importe quoi. De l'écouter sans se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui me prend ? J'invente des trucs. Mais il est très très bien rémunéré, ce super job qui optimise ce software d'évasion fiscale pour une multinationale qui empoisonne l'eau potable de millions de personnes à l'autre bout du monde. Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que mon estomac se noue et que j'ai des sueurs froides à chaque fois que j'arrive au bureau. C'est absurde. Et puis aussi, on ne fait rien, l'estomac reste noué, comme ça, jour après jour, pendant des mois, et puis bizarrement, on tombe malade. Donc oui, on a tous en nous la voix qui connaît ce qui est mieux pour nous. Il faut juste du travail sur soi pour l'entendre et la reconnaître. Moi, ça a été plus rapide. J'ai pris un raccourci et j'ai pu bypasser des années et des années d'écoute attentive pour sonder cette voix et l'entendre. C'est un raccourci, certes, mais que je ne souhaite à personne. C'est de voir mourir son père, soudainement. Il avait 56 ans, j'en avais 29. Il était fort comme un roc un jour, et il est parti le lendemain. Nous savons tous que nous sommes mortels, mais la nuance est énorme entre savoir que nous sommes mortels et savoir que nous allons mourir, et que ça peut arriver du jour au lendemain. À ce moment-là, ma voix intérieure, elle a pris un mégaphone, et elle a percé toutes les autres voix pour me demander chaque jour, très clairement, « Maintenant que tu sais que tu peux mourir demain, aurais-tu changé quelque chose à cette dernière journée que tu aurais passée ?» Et c'est impossible de vivre comme avant lorsque l'on se pose cette question, cette simple question, chaque jour. Aurais-je choisi cette journée que je viens de passer si j'avais su que c'était ma dernière ? Ça a été très dur au début, ça a donné d'abord des petits changements, des petits compromis, puis des plus grands. Et puis, petit à petit, c'est devenu un guide sur le chemin du bonheur. Pour être heureux, il m'a fallu aussi trouver du sens. Je pense qu'il faut que notre vie à tous, et donc notre métier où nous passons 8 heures par jour, ait du sens à nos yeux. Car notre voix intérieure sait que nous sommes tous sur le même bateau. Et du coup, le bonheur ne pourra être atteint que si nos actions ont un impact réel sur ce bateau. Et pour finir, il nous faudra aussi du courage. Parce que votre voix, en plus de l'entendre et la reconnaître, il faudra aussi avoir le courage de l'écouter. Car elle ne va pas toujours dire des choses évidentes à mettre en place, ni des choses qui vont plaire à tous ceux qui vous entourent. Souvent, on m'a dit « Ah, mais quel courage !» Ça ne doit quand même pas être facile de vivre en tant qu'artiste. Ce à quoi je répondais toujours, parce que vous croyez que c'est facile pour un artiste de vivre en tant que banquier. Je vais terminer, et vous l'avez compris, j'ai menti au tout début, et je vous ai quand même donné un conseil tout au long de ce discours, et c'est de ne pas m'écouter. Vous êtes des adultes, vous avez votre diplôme, la vie est à vous. Alors n'écoutez plus ceux issus de ce monde périmé, de ce constat d'échec que nous vivons. Ne m'écoutez plus moi, n'écoutez plus les parents, n'écoutez plus les profs, n'écoutez plus les pubs ni les journaux. Écoutez-vous en tout premier. Le monde n'a plus besoin de battants, il a besoin de rêveurs, de personnes capables de reconstruire et de prendre soin. Et surtout, on a tous besoin aujourd'hui plus que jamais de gens heureux. Merci.